where she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. Et bien, coupe-le, coupe seulement. Coupe-moi ça. Pourquoi il crie là? Ouais, celle-là, c'est la bonne, la rage. Costos, pourquoi ils vont se fatiguer. Allez, grâce, ma. Celle-là, elle est bonne. Je la sens bien, je sais pas, la base, je la sens bien. Ah, c'est bien ça, il y a Coleman qui va rentrer. C'est le moment de marquer à la dernière minute ce but. Allez. Ah, c'est bon. Continue à pousser. Boum, cogner. Ça passe pas. Faut les cogner. Boum, boum, ça passe pas. Non, ça passe pas. On revient. Voilà, c'est bien. Fais pas le coup, Garde là, tranquille, joue là-bas. Là-bas. Voilà. C'est raté, mince. Vas-y, dessus. Ah, c'est malheureux ça. Allez. C'est les dernières minutes là. Continue à tout, il faut combien. Vas-y, dessus. Ah, c'est quoi ça? L'autre, il commence à hésiter là. Pas de maturité, arrête. Il y a encore la chance de mettre ce but là. Lâchez pas, il faut rester costaud derrière. Ça passe pas. Bloquez-le. Faut le bloquer. Ça rentre pas. Bloquez. Ronaldo, il est à fond. C'est bien ça, tu l'as bloqué. C'est bien. Pour le gêner, Ronaldo, si tu le gênes pas, c'est pas bon. Ça, c'est bien ça. Ça passe pas. C'est costaud. La France est costaud. Elle aussi est patio. Ah non! Mais non, s'il sort, ça veut dire qu'il ne va pas avoir de but. Il va avoir 0-0. Oui, mais Coleman peut marquer, mais je pense que le temps qu'il se chauffe, ça va être chaud. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Tout se passe bien, franchement, je suis content. C'était un match franchement extraordinaire. Comme vous avez vu, j'ai savouré la fin. Bon, vous allez me dire, bon, il n'y a pas eu de but. C'était un match nul, c'est deux matchs. Mais franchement, je suis content. C'était un match vraiment costaud. Franchement, il n'y a rien à dire. Costaud. C'était 50-50. Franchement, et là, j'ai aimé vraiment tout. Pour moi, je pense que là, l'équipe de France était à son niveau, pour moi, on va dire maximum. Maximum, on va dire même, il peut faire même plus. Mais franchement, c'était vraiment un niveau musclé. J'aime bien, ça connaît tout. Ça connaît bien. C'était impact. Ça veut dire 50-50. Ça veut dire que personne ne voulait perdre. Il n'y avait rien qui passait de deux côtés. Mais quand même, il y a eu des occasions, comme vous avez vu. Cristiano Ronaldo, franchement, il m'a fait vraiment peur. Il est vraiment, même jusqu'à la dernière minute, si vous avez vu l'occasion à la dernière minute, Ronaldo, il allait mettre un but à la dernière minute. Mais Mbappé, c'était vite fait. Mais il s'est bien battu. Mais c'est vrai que bon, j'ai aimé son jeu, mais j'aurais aimé franchement qu'il finisse le match, franchement, parce que Mbappé, Ronaldo, il a fini le match jusqu'au bout. Et bon, après, c'est pas parce qu'il est jeune, mais bon, il devait finir le match. Pour moi, Mbappé, il ne devait pas sortir. On aurait pu le laisser finir le match, mais bon, il faut faire tourner les petits. Du côté de France, de l'équipe de France, on a beaucoup de joueurs de qualité qui peuvent marquer, comme Coleman, etc. Et tout. Mais franchement, j'ai aimé les deux défenses, parce que même s'il y avait quelques failles, là où les défenses se faisaient transpercer un petit peu, mais c'était costaud, ça se cognait bien, boum, c'était musclé, j'aime bien, là-bas c'était bien musclé, c'était un pacte, et pour moi c'était un match franchement correct, et 50-50, franchement, comme vous avez vu la position du bal, elle était de 50-50, les deux se battaient, les deux défenses étaient bonnes, j'ai aimé beaucoup la défense française avec Kimpembe, franchement, le joueur, le défenseur parisien, il est jeune, mais il a vite appris, maintenant il est costaud, lui, je le kiffe ce joueur. Franchement, j'aime bien parce qu'il se bat tous les ballons, tu vois, il se bat. Il était vraiment concentré sur son objectif. Ronaldo, il serrait tout le monde, il faisait bien son taf. Franchement, c'est vraiment un joueur, pour moi, le joueur que je dirais vraiment que c'est que je donnerai ma plus grosse note, c'est Kimpembe. Pour moi, c'est un défenseur là, de bonne qualité, mais vraiment la grande qualité. Là, il s'est mis au niveau de Raphaël Ravan. Je n'arrive même pas à dire son nom. Raphaël Ravan, voilà. Enfin, vous avez compris. Eh bien, il s'est mis à son niveau. Pour moi, il est pratiquement, on va dire, son niveau, puisque
il se défend bien, il est à fond et tout. Franchement, là, l'équipe était au top. Paul Pogba aussi était, on va dire, il vient d'une blessure, c'est normal, mais pour moi, il était quand même bien physiquement, il était là. Tout le monde était là. Mais bon, après, il manquait ce petit but, ce petit 1-0 pour la France, pour qu'ils essayent de... Mais bon, je suis content. Franchement, je suis content parce que là, c'était un match de qualité. Et j'attendais un but. Je ne suis pas déçu parce que pour moi, c'était un bon match. Puisqu'on sentait que les deux, ils peuvent avoir un but de Ronaldo, ils peuvent avoir un but de Mbappé ou de Giroud. Bon, Giroud a fait son match, bon, après il est sorti, mais bon. Moi, je voulais plus que ça soit du côté, même Giroud qui l'aurait marqué, ça aurait été très bien pour la France. Mais que ce soit Mbappé ou Griezmann ou Paul Pogba, je voyais ce match qui allait se finir par un 1-0 pour l'équipe de France ou un match nul, je ne voyais que ça. Je ne voyais pas la défaite de la France vu qu'ils sont en forme, je ne les voyais pas perdre. Mais bon voilà, c'était le match le premier contre le deuxième. Le Portugal reste premier du classement et la France est toujours derrière. Mais ça n'empêche pas que la France peut revenir à tout moment. Mais bon, ils sont qualifiés les deux. Je pense que dans cette Coupe des Nations, la France peut aller en finale et voir la gagner. Vu le niveau qu'ils ont en ce moment, ils peuvent gagner cette Coupe. Mais le plus important, moi, je pense, c'est pour l'Euro 2020. Il faut que la France, franchement, se prépare. Et là, ils sont bien prêts pour y aller et la gagner, la remporter, cette Euro 2020. Il faut qu'ils restent comme ça, concentrés à l'objectif, les Français. Et ils vont peut-être, si tout va bien, gagner l'Euro 2020. Parce que c'est très important, ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc maintenant, il faut aller attaquer pour l'Euro 2020. Mais bon, la Coupe des Nations, c'est juste une préparation pour l'Euro 2020. C'est normal. Mais bon, s'ils gagnent ça, ça serait bien. Mais bon, moi, je veux plus l'Euro 2020, parce que c'est important. Il y a toutes les équipes, il y a les Pays-Bas, il y a des équipes restantes. Mais ça va être génial, l'Euro. Moi, ça s'annonce très bien pour le moment. Du côté de la France et toutes les équipes. Bon, après, il y a des matchs qui sont un peu plus faciles. Comme vous avez vu, l'Ukraine, c'était une balade. Les Français, c'était un match d'entraînement. Mais après, c'est bien qu'il y ait un match au niveau de la France pour montrer que voilà, qui est qui là. Mais là, c'était costaud, là, ça jamais. C'était bien, toum, 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 ça cognait bien, ça tombait par terre et personne râlait. Hein. Ça cognait bien, ça mettait des coups, ça c'était magnifique, ça, j'adore ce match. Bon, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo exceptionnelle bientôt. Bon, une vidéo classique que vous allez savoir vite fait de quoi je parle dans la vidéo, puisque je commencerai avec l'objectif de ma vidéo, bien sûr. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et bonne semaine à tous, les amis. Et